I've come to the Arbois village of Montigny-les-Arsures, prized terroir for the Trousseau grape. I'm here to meet Domaine Bénédicte and Stéphane Tissot. The estate was founded in the 1960s by André and Mireille Tissot. Their son Stéphane took up the reins in the 1990s and grew the property to its current 50 hectares and converted the vineyards to organic and biodynamic viticulture. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie. Merci beaucoup pour cet accueil dans cette période bien chargée dans les vignes. Alors on est où? Là ici on est au-dessus d'un lieu-dit qui s'appelle les Bruyères. Okay. Ici on est sur du Poulsard. Alors bas, et ici? Ici c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est un endroit où on comprend bien la géologie du Jura et pourquoi le Jura est différent par exemple de la Bourgogne qui est juste en face. Okay. La première chose que j'aime bien dire déjà c'est que souvent dans n'importe quelle revue le Jura est classé avec la Savoie en disant c'est les vignobles de montagne. Oui, oui. On a des montagnes dans le Jura mais c'est pas là où on fait du vin. Par exemple le clocher que vous avez dans l'église de Montigny qui est là-bas juste en face, okay. Le clocher a 320 mètres d'altitude. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vignes au-dessus de 350 mètres, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 80 millions d'années, la Bourgogne et le Jura ont été enfin séparés. Donc la plaine de la Saône s'est créée, puisque donc sur 80 km de large, donc une grande vallée s'est créée par affaissement. Ouais. Le coteau bourguignon s'est retrouvé face au coteau calcaire jurassien. Les Alpes, quand elles se sont créées, elles ont fait énormément de pression et amené énormément de pression de ce côté-là. Donc le massif du Jura s'est créé, mais en même temps les Alpes ont continué à pousser. Donc le massif du Jura s'est retrouvé avancé en direction de la Bourgogne d'à peu près 5 km. Et en contrebas de ce massif où nous nous trouvons, forcément il y a eu beaucoup de chamboulements. C'est pour ça que le Jura n'est pas du tout aussi régulier que la Bourgogne. Mmh. Et les argiles qui étaient en sous-sol se sont retrouvées à la surface. Ouais. Donc alors du coup, Jackie, le Jura, on se retrouve avec une mosaïque de plein de terroirs différents. Mmh. Comme je disais, il y a à peu près 30% de sol calcaire, 70% de sol argileux. Ouais. Mais la différence est assez dingue. Quand on parle de sol calcaire, si tu veux, tu vas te retrouver avec des sols qui sont assez meubles, assez faciles. Ouais. Tu vois, par exemple, ça, c'est des sols tout à fait typiques. Tu vois, qui vont tout de suite s'effriter. Et viens voir maintenant le sol qui est juste en face. Okay. Donc là, il y a un chemin qui sépare d'un côté des sols calcaires et de l'autre côté des sols argileux. Et tu vois, les sols qui sont juste en face, ça n'a rien à voir du tout. Donc ouais. Ça, c'est les sols qui sont beaucoup plus humides, collant, beaucoup moins drainants. Oui, et ça, ouais, c'est les vrais sols argileux. C'est vraiment de l'argile. Hein. Ouais. Tu sais, ça, c'est dessous, c'est ce qu'on appelle la marne bleue qui est là-dessous. Donc ça, c'est Poulsard qui aime ce type alors, de sol. Poulsard savagnin sera toujours donc sur les sols argileux. Ouais. Et puis par contre, les calcaires vont aller principalement les chardonnays, les pinots, surtout les trousseaux, parce que le trousseau est un cépage assez tardif, oui. Qui aime beaucoup de soleil. Ouais, ouais. Et le Jura, c'est ça. On va aller tout à l'heure sur la tour de Curon, okay. Où les terrains sont encore plus légers que ceux-ci. C'est là où on va tout de suite. Parcelle de chardonnay. Ah, on va la voir. Ouais, on va aller la voir tout de suite. On y va. Super. Allez, oui. Feu. Donc là, on est une de vos parcelles les plus chéries. Là, on va arriver on va rentrer dans le clos de la tour de Curon. Donc c'est une vieille parcelle donc qui fait 75 ars seulement, okay. Et donc qui est tout encerclée avec des murs donc qui sont pas d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment magnifique. On a planté l'endroit donc en 2002, on a replanté la vigne en 2002. Quand on a repris, c'était tout en friche. Mais là, c'est tout un coteau qui n'était pas exploitable pour beaucoup de jurassiens, parce que pas mécanisable. Mmh. Et on a tout fait pour le planter, malgré que là, ça soit labouré au cheval, que le sulfatage est fait à la main, enfin, il y a plein de travail qui est fait. C'est beaucoup d'énergie, mais le lieu est vraiment magnifique. Donc, on va rentrer dans le clos. Allez, on rentre dans le clos, allez, viens voir. Et c'est un terroir assez frais, non? On est en hauteur, on est c'est un terroir calcaire. Oui, mais c'est surtout un terroir calcaire, donc c'est un terroir qui donne des vins très minérales. Oui. Avec très peu de sol. Là, il y a un endroit où il n'y a que 30 cm de sol. Okay. Et donc, ça donne une minéralité, une salinité dans les vins qui est vraiment ici, qui n'est pas ailleurs. J'espère qu'on va goûter ce vin tout à l'heure. On va voir. Mais bien sûr qu'on va en goûter. Allez, on y va.